What is wrong with France? While the world watches in disbelief, the anger spilling over French streets, protesters insist this uprising has little to do with retiring at 64 and everything to do with a system they deem to be increasingly and dangerously undemocratic. Proof? Those on the front lines of this fight haven't even started working yet and are certainly not thinking of retiring. France has a long history of demonstrations, but those currently taking to the streets are surprisingly young. Ce qu'on sent, c'est de la force. C'est que ce genre de grande mobilisation, que les choses, elles changent pour de vrai. And change is precisely what Matisse and his university colleagues are after. So they joined the latest wave of anti-government protests, hoping to tip the scale. Je pense que le gouvernement, il a extrêmement peur de la jeunesse par ses capacités d'organisation et d'être présente partout, tout le temps, de déborder. En tout cas, nous, c'est clairement ce qu'on a envie de faire, déborder ceux qui veulent nous réprimer, déborder ceux qui veulent nous imposer des négociations, des compromis. Nous, on veut déborder pour changer la société. What turned this into a decisive moment was the latest push by Emmanuel Macron's administration to get a contentious reform of the pension system through, despite widespread discontent and a minority government. Thanks to a controversial constitutional mechanism known as 49-3, Emmanuel Macron's government bypassed Parliament, where the reform was not expected to be approved. For these students, it was the last straw. After blocking access to their university, they assembled to vote on what to do next, while Emmanuel Macron attempted to explain how important the reform was. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? Cette interview a mis le feu aux poudres. Elle a exaspéré le mouvement social. Les syndicats ont réagi extrêmement violemment. Le ton est monté d'un cran partout. Mais lui, Emmanuel Macron, ça l'aide. Il a le temps pour lui. Les gens n'ont plus d'argent pour faire la grève. Petit à petit, il va remporter la bataille par usure, en fait. There is, however, a pocket of the population that can afford to take to the streets almost indefinitely, and with a different strategy. C'est central que la jeunesse se mobilise pour en fait débloquer la radicalité du mouvement, pour permettre de partir tous les jours en mobilisation jusqu'au retrait de la réforme, jusqu'à l'obtention de nos revendications. Et on voit qu'en fait la jeunesse, elle a ce rôle-là à jouer tout le temps. C'est ce qui s'est passé en 68, c'est ce qui se repasse aujourd'hui là. Il y a un parallèle à faire avec mai 68, parce qu'en 68, on avait un vieux président, de Gaulle, qui était important pour toute une génération, mais pas pour les nouvelles générations. C'est un peu pareil avec Emmanuel Macron. C'est le président des vieux. Il est élu par les seniors. Il ne parle pas à la jeunesse, au fond, Emmanuel Macron. Et ils n'en peuvent plus, les jeunes générations n'en peuvent plus de cette façon de gouverner lointaine, autoritaire et distante. Et ils ont envie de plus de proximité, de plus d'horizontalité, de plus de gentillesse et de bienveillance qu'ils n'ont pas avec ce président. Le parallèle avec mai 68 qu'on peut faire, c'est qu'on est passé d'une crise sociale, c'est-à-dire une crise qui était basée sur le problème des retraites, à une crise politique, c'est-à-dire une crise démocratique. Mai 68, c'était un système qu'on ne voulait plus. L'autorité, l'absence de pluralisme dans les médias, ce système un peu poussiéreux. Là, c'est pareil. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a communiquer comme un jeune, gouverner comme un vieux, avec les vieux, et qu'au fond, les jeunes se sont rendus compte qu'il était ni écolo, ni sensible à leurs problèmes, ni réellement empathique, que tout ça c'était fake, ils veulent de l'authenticité, c'est pas avec lui qu'ils l'ont, donc ils se révoltent. En fait,
fait, on est contre la politique du gouvernement dans le sens global. Et par exemple, contre la politique qui mène pour le climat, contre la politique qui mène envers les étrangers. Enfin, c'est vraiment plus global. Là, l'enjeu, il est beaucoup plus vaste. Et pourquoi les jeunes se mobilisent ? Bah, parce que du coup, on est en plein dedans. On est concerné par la répression, on est concerné par le changement climatique de très près. Et on prépare notre avenir, en fait, tout simplement. Romanet says precisely because there is so much at stake, it's hard to predict where the movement will go. Au début, on allait dans les manifs d'intersyndicales et tout, hyper organisé, machin. Là, c'est plus trop organisé, donc c'est un peu du jour au lendemain, c'est spontané. On verra ce qui se passe, mais on va continuer en tout cas. The following nights, they did just that, and things got significantly more tense between protesters and law enforcement officers. 457 interpellations partout en France. Paris, bien sûr, et le reste du territoire national. While the tactics employed by demonstrators were questionable at times, it was the police response that rang alarm bells, with officers being accused of arbitrary arrests and physical abuse. On va tourner beaucoup d'images très très inquiétantes, hein, qui signalent des stratégies de maintien de l'ordre qui sont inquiétantes, parce qu'on sait bien que derrière, c'est des ordres qui sont donnés, hein, et notamment l'ordre d'arrêter massivement en manifestation. Moi, ce qui fait plusieurs jours et nuits, surtout nuits, qu'on fait le tour des commissariats, où on peut constater qu'il y a énormément de personnes arrêtées, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes femmes, des gens parfois dont c'est la première manifestation. Inside this station is Solal, who took to the streets precisely because some of his friends had been detained earlier in the week. C'est la brave. Ils étaient, il y avait 15 motos, donc ils étaient 30. Et nous, on était deux, ouais. Ils faisaient des blagues, en fait, comme si taper du manifestant, c'était normal pour eux. Donc ils faisaient des blagues, genre l'effet d'une matraque sur le crâne, des choses comme ça. Et même, ils disaient, on en a marre d'attendre, on veut retourner à la bagarre, etc. Il était dans le cortège avec ses camarades lycéens. Et il y a eu cette charge hyper violente qui a été très médiatisée au sein du cortège. Certains ont réussi à échapper au coup. Lui, je ne sais pas pourquoi il a été pris. Je ne suis pas fier qu'il soit en garde à vue, mais je suis fier qu'il soit en manif, comme son frère, comme son père, comme sa mère, comme sa belle-mère. On est tous en manif, oui, bien sûr. Cette réforme est profondément injuste. Les calculs sur lesquels se base le gouvernement sont des calculs, par exemple, qui évaluent le financement de la sécurité sociale avec un solde migratoire nul, qui repose sur un allongement de l'espérance de vie. Or, on sait que l'espérance de vie stagne. Donc, il y a plein d'autres manières de calculer l'hypothétique déficit, et il y a surtout plein d'autres manières de le financer. As young protesters came out of custody, there was a mixture of relief and disgust. Il y a quelques questions qui sont vraiment très déplacées. Par exemple, mon salaire, le prix de mon loyer. Ils ont clairement fouillé l'intégralité de mon téléphone. Ouais. To the despair of this family, Solal isn't coming out today. A hearing has been scheduled for tomorrow at Paris's main courthouse. Solal is finally out of custody. Ils m'ont attrapé, ils m'ont frappé, ils m'ont mis... C'était humiliant un peu quand même, parce que c'était genre tu baisses les yeux, tu fermes ta gueule, tu te mets face contre le mur, tu t'assieds bien et tu bouges comme on te le dit. Là, parce qu'il y a énormément de garde à vue des jeunes quand même, est-ce que ça peut dissuader ce mouvement? Est-ce que ça peut servir à... C'est le but, c'est sûr que c'est le but. Franchement, c'est évident quand... Quand on voit la façon dont c'est fait, comment c'est complètement arbitraire, c'est évident que le but c'est ça. Et surtout que deux jours avant la grosse manifestation, ils ont embarqué, c'était quoi? C'était 250, 300 jeunes entre les deux bacs. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc c'est sûr que le but c'est qu'on perde la motivation. Et franchement, je pense que ça va être le cas pour beaucoup. Même moi, je me pose encore la question, mais faut pas. Il faut pas que ça soit le cas. For now, at least, the standoff continues in the streets of France. Everyone involved knows that whoever blinks first may miss the opportunity of shaping this country and its people's future.